Et salut à tous, c'est Marco, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous pour le troisième épisode sur la série Parking Simulator, non, Parking Tycoon Simulator. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Lors du dernier épisode, on va déjà casser vite fait, si tu peux pas faire Hey, l'intro, get la the gueule hell out of here. au Tiger. Lors du dernier épisode, on avait mis le lampadaire dans notre parking, on avait amélioré en béton, on avait fait le contour en grillage et on avait pour objectif de gagner 10 000 balles. 9852, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Je me suis aperçu tout à l'heure qu'il y avait un gars qui avait pété le grillage là-bas. Qu'on va devoir en racheter un une fois qu'on a passé l'objectif. Et pour aujourd'hui, on fait l'objectif. On dépense l'argent pour passer le niveau 3 et on voit ce qu'on peut faire. On peut débloquer, etc. Pour améliorer et avancer notre parking. Voilà, l'objectif est fait. Ça, c'est cool. Il n'y en a pas d'autre. Apparemment non. Donc nous ce qu'on va faire, on va déjà racheter dans un premier temps une sécurité. Est-ce que j'aurai assez? On va améliorer en asphalte. 3 000 balles. Niveau 3 pour niveau 2, ok. Oui. C'est joli. Ah oui, on a même. Les poteaux sont même. C'est plutôt assez stylé, ça fait propre. Mais on n'est pas à fond en réputation. Donc on va devoir mettre un peu de déco. Je pense que je vais mettre un peu de. On va rester dans cette idée-là autour pour l'instant. On va en prendre une dizaine après. Passer commande pour une dizaine de. Petit arbuste et on sera pas mal pour passer je pense niveau 3 tac 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 boutique décoration on va s'acheter ça on va en prendre 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 ça coûte un peu d'argent on commande la porte est ouverte ou pas oui toujours. J'ai pas quitté le jeu entre temps. Il nous a fallu un petit peu de temps, je dirais petit 3 quarts d'heure, 1 heure en neuf pour atteindre tout ça. Entre décassage de gueule à la matraque, pas mal de ramassage de poubelles. Et que ça, vous allez voir quand j'ai jeté la poubelle, fait que des allers-retours. C'est assez chaud à gérer solo quand même. Même si ça se calme un peu. Alors je sais pas si ça se calme réellement ou si c'est justement. Le fait d'avoir pris un petit peu l'habitude, j'ai l'impression que ça s'est calmé. Je ne sais pas. Dans tous les cas, l'objectif est rempli. On sait un max de pognon. Et ça, c'est ce qu'il faut. La commande est arrivée. Regardez le nombre de poubelles qu'il y a là-dedans. Elle fait pas mal, hein, mine de rien. On va faire payer ces messieurs. Allez là, pas payé lui. Ok, au revoir monsieur. Ben, bonjour. Au revoir. 109, hein, c'est déjà pas mal du tout. Deux améliorations. Pas regarder du coup combien on gagne par heure avec tout ça là. 22,3 $ par heure, c'est quand même. Pas mal du tout. On prend notre commande. J'espère que ça suffira pour passer level 3. Oh vos gueules, attendez un peu là. Ça fait que ça, il n'y a que ça comme son dans le jeu. Oh attendez, lui on va lui casser la gueule vite fait. Hey, tiens. Get the hell out of here. On va reposer tranquillement notre grillage. On va le faire payer lui. Lui aussi. Hop. Nos arbustes.
faire un truc à peu près propre. Pas bien aligné au milieu, mais bon, c'est pas grave. Là, ça se déplacera. On en prend 3, donc c'est vrai que ça va peut-être pas forcément monter de bien ouf. J'y suis, très bien. La 163, ah, peut-être que si on ramasse les ordures, on sera probablement aussi 600 qui nous font up. Il serait plutôt pas mal. On va vite les savoir. On aura de l'argent pour améliorer, ça c'est plutôt bueno. Ok, lui s'en va. Oh, il manque rien. Il lui manque quoi? Un arbuste? Je trouve pas les deux qui manquent. Pour up. Au revoir. Il en manquera un petit peu quoi qu'il arrive. Ah, ici, il en manque un. Ah, ça va. Ah, dans tous les cas, on va devoir acheter quelques trucs. Pas sans répute, bah écoutez. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Partie de la déco, écoutez. 5. Ah mais ça c'est 0,25. Tac, on commande. Commande, on attend la livraison, on place tout ça, et normalement on aura assez pour passer au niveau 3, et on ira voir ensemble ce que ça nous débloque. On va savoir à la gueule des parkings, je pense qu'on pourra faire des étages. Ok, marqué parc à 2, etc. Putain le bâtard. Il est où le fumier? Hey, get the hell out of here! T'as de la chance que tu cours plus que moi. Là, je sais comment d'arriver. On ferme la barrière, on va aller chercher ça. Je n'ai pas un bouton pour tout transférer. Nous sommes 18. Ça commence à être pas mal du tout. Hein. Ok. On va le faire. Niveau 3, ça c'est plutôt bueno. Ah, c'est pas très droit, ouais, c'est pas grave.
dans un premier temps, ça suffit. On fait un peu de place, on va voir ce qu'on a déverrouillé ensemble. Lance de répute. On monte bien, hein. L'argent. On ferme ça. On va regarder. Alors, on peut passer Aria 2. On va faire tout de suite. Boutique. Ruff level 1. Ok. Sécurité, rien de plus. Décoration des bancs. Des pots un peu plus moins dégueulasses. Oh, qui rapporte des points, mais ça coûte cher. Des haies. Des lampes de... Ah, ça c'est bien. Quoi, coffee supplice. Machine à café, excellent. On va la commander. Avec un carton. Je sais pas c'est quoi ça. 1, 2, 3, 4... On va commander tout ça. Travailleur, ok. Porteur. On va employer un portier. On va employer un garde. Ok. Comment ça fonctionne, j'en sais rien. Ok, j'arrive. Et puis un graffiti. Mes employés, mes gardes, etc. Ok, attendez, on va regarder ça. Portier, c'est de ta mec qui va faire comme moi là. Et le garde, ça va empêcher les graffitis et compagnie. J'espère, je pense. La machine à café, c'est excellent. Par contre, ça a débloqué quoi notre guard 2 là, je sais pas quoi là. Notre niveau 2. Ah, c'est une extension au bout. On va aller voir ça. C'est un étage, mais non, rien du tout. D'accord. Grosse extension au bout. Ok. Ok, ok. Ça, est-ce que c'est pour mettre au-dessus? Voilà. On met nos lumières après. Ok, ça, ça va être stylé. C'est un méchant, ça. Non, c'est mon garde. Ok, ah, c'est mon garde. Il est où mon portier? Il est là mon portier. Comment ça fonctionne? Ok. Oh nice, ok, bah, il fait le boulot à ma place. Ça c'est cool. Ça va nous permettre de bien commander, de bien améliorer tout ça. Je n'enlève pas mon graffiti. Ah, ça c'est cool, en vrai. Les employés vont tout changer. Mon garde, il court après ou pas? Je sais pas si il a couru après. Il y a peut-être pas assez de garde pour... On va voir. Ok, là, c'est pour faire le parking. Alors, avant de faire tout ça, on va... 3, 4, 5, 6, 7, 8... c'est 18 au total. Mais putain, ça coûte cher.
On va faire ça. Ça sent la lumière. On va quand même prendre. Merde, je peux pas. On va attendre. Après, il y aura un roof level 2, roof level 3. Ok. Et en travailleur. Ah ouais, de 10h à 18h, de 18h à 2h, de 2h. Ah ouais, on va tous les employés, hein. Ils vont tourner. Ok. Peut-être les activer auto. Ok, comme ça, il y aura vraiment quelqu'un tout le temps. Mais c'est pas grave. Nous, on peut vraiment se consacrer sur l'évolution de notre parking. Ah oui, merde, j'ai pas mis la machine à café. Là, il n'y a plus de place là. Bon, les employés, il faut bien. Je sais pas si les clients vont prendre ou pas. Ça commence à être joli. Hein. 28,5$ la place. Il nous manquera 7. Ça va nous permettre de faire l'entretien. Donc l'auto employé, on a vu que c'était niveau 4. On va avoir besoin de quand même pas mal d'argent. 3000 pour faire ça, pour au moins débloquer le parking, etc. J'aimerais bien qu'on s'occupe au moins du premier. Qu'on mette les lumières, qu'on mette tout correctement. Oh, par contre, les employés, ça change la vie. Oh là. Par contre, ils sont virés comme des schlagos. Regarde, il sert à quoi un mec qui fait le graffiti, hein. On veut courir partout comme un gigo, c'est. Il veut mettre la machine à café, hein, s'il faut que vous soyez en forme. Donc on la place, on va voir ça tout de suite. Je peux la placer où que je veux ? Ok. On va la placer là, en vrai. Moi, j'ai déjà place là. Attendez, je peux la mettre comme ça, mais. Ah ouais, mais. Apparemment en plein milieu. Recharger la machine à café. Ok, 50%. Ok. Nous avons combien? Il avait 2 4. Il me manque 5. Il y a 2 là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. 3000 on a assez. Tac. Je pense que la lumière, on va pouvoir la mettre par-dessus. On va attendre la commande.
la notre poubelle en attendant. C'est où que c'est dégueulasse? Je vais pas ramasser ma poubelle, ok. Oh les mecs, ils ont. Devant la machine à café, ils jettent des trucs. Ouais. Bon. Oh ouais, alors attendez, si je dois acheter à chaque fois les merdasses là. Pas fini. Ok, elle n'en peut pas, je suis plein. Comment ça, il y en a qui l'accepte? Jolie idée là? Ouais, alors. Je crois que t'acceptes vraiment pour rien. Ben trop, c'est parce qu'il semblait, je sais pas compter. Pas grave, on va la revendre. Hop, on va chercher notre lumière. Ah, des poubelles sans déconner. Regardez si on peut pas acheter des poubelles. C'est bien beau, mais. Ah, je peux peut-être le faire avec ma poubelle. Oui, ok. Ok, un peu mieux. Mais pas des poubelles. Faire sur un parking, ok. Non, il y a des pots, il y a ce qu'il faut, mais il n'y a pas de... Ça c'est 500 balles, ça aussi. Une barrière automatique. Au 5. Je vois pas le bébé, ce putain. Putain, il a fait une connerie. Il a... Hey, get the hell out of here! Putain, il s'est barré, voilà, je vais t'emmerder. Là, il sert à quoi, mon garde, là? Tu la merde, mon garde! D'ordure. J'ai commandé ou pas? Je sais même pas si j'ai commandé. Je vais tester ça. Non, j'ai rien commandé, je crois. Non, ça se met sur les poteaux. Ok. Une, deux, mais il va en falloir trois. Il va en falloir trois. 1, 2, 3. Commande. Gardez vos 4. On a dit qu'il fallait quoi après? Une graine de parking. J'ai énormément de déchets, donc on va faire les déchets. En tout cas, elle marche bien la machine à café. Oh. Elle marche plutôt pas mal. Hop.
Merde. Ok, on va chercher la commande. J'espère qu'on peut les mettre les autres trucs quand même. Moi, j'ai cru que c'était au-dessus qu'on les mettait. Ok. Ah, bonjour monsieur, 600, ouais bah je sais, c'est pas de ma faute. La garde qui sait pas travailler. Regarde, il y en a un autre qui arrive là. Oh, le garde du quoi? Ouais, mais le garde, c'est quoi Il y a un mec qui est en train de faire un graffiti. Mais. Dans quoi le garde, sans déconner? Get the hell out of here! Oh, mec, faut sortir les doigts là. Ah non, merde. C'est ça que je voulais faire. Ah. Hop, hop. Allez, petit campion de sel là. Entre les lignes. Le gérant, c'est moi qui fais les poubelles. Le nettoyeur, c'est pas le premier. Faire offense aux gens, mais il en faut, heureusement. Mais pourquoi le gars de l'entretien au dernier moment, au dernier niveau, alors que justement pour soi propre. Ouais, dès le départ. De répute quand même. On bloque le gay boss dans un petit basket. Oh, c'est un mec. Allez, on a 1000 balles. J'aimerais. Alors attendez, est-ce que j'ai pas regardé? Est-ce que les deux vont être reliés du coup? L'entrée. Ah oui, les deux vont être reliés. Ça peut faire un sacré bordel. Ah mais mon garde en fait il a chié parce qu'il fait tout le tour là-bas. Hey, get the hell out of here! Je vais donner du boulot dans pas longtemps. Dès que t'as 3000, 23 000 de. D'abord, attendez, est-ce que je peux te faire payer en même temps? Je peux faire double argent. Non. Je peux pas. 238? Non, il paye une fois. Ah, t'es trop beau. Regarde, il fait tout le tour, il fait... Mais... Et t'es payé pour garder le truc, bah pour faire un footing... Sur un régime, il se croit où, lui? Mais... Mon agent de sécurité, sert strictement à rien. On dirait certains agents que je connais IRL, on va pas citer de nom. Eh putain, qu'est-ce qu'il est nul! Bon, ça, ça truc. Regarde, l'autre il est assis. Va te prendre un café, j'aurais dû te mettre la machine à café vers toi. Regardez-moi ce gogol, il est en train de courir comme un con tout autour du parking. J'ai l'impression que plus ça va, moins il va vite. Regardez-le là. Sans déconner.
Fais honte au métier, mon ami. Gardez-moi ce gogol. Ok, 2700. On attaque bientôt. On attaque bientôt le deuxième parking. À la machine à café. Il n'y a plus de café. Mais si, bah alors. Par contre, ça manque de poubelles, parce que les mecs, ils jettent tout par terre. Il faudrait des poubelles. Comment ça, moi, 30% sur le café? J'ai pas demandé ça, moi. On n'a pas demandé, moi, 30% au café, nous. Et non, merde, je me plante de boutons, jette. Il y a une poubelle là-bas, vous pouvez pas aller jusqu'à la poubelle. Oh, le bâtard. Hey, tiens, get fumé. The hell out of here. Vas-y, moi je suis un vrai agent de sécu. Moi je suis un vrai agent de sécu. Tu vas trop vite, tu vas trop vite. Fumier. Ok, 2916. 3045 upgrade de notre parking. Boum, 4500 pour me rajouter l'asphalte. Ils abusent un peu par contre. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le mauvais truc. Oh, j'ai acheté le mauvais truc. Putain, je suis un sgeg. J'ai acheté le contour avant d'acheter l'intérieur du parc. Ah, par contre, ils vont. Ah, il va falloir que je mette. Ah, bah attendez. D'avoir une sortie, c'est... Ah non. Et ça va continuer après comme ça là-bas. Et ça va coûter cher en... Tac, tac, tac. En contour, là. Même en déco et tout, hein. Ça va coûter la blinde. De toute façon, c'est quand même plus long que de l'autre côté, hein. J'ai l'impression que c'est plus long de l'autre côté. Allez, poubelle simulator, on est de retour. Donc. Alors on passe à travers voiture, on traverse pas, on peut pas traverser les arbustes. Ça c'est logique. Les employés, le garde sert strictement à rien. Je me demande si je veux pas le. Il fait perdre trop d'argent pour l'instant, je trouve. Ok, ok. 42, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Hop, hop. Je crois que j'ai vu un mec courir. Hey, get the hell out of here. Prends ta tartine. Ok, 833 de réputation. Les employés, amélioration de parking. Maintenant, on paye, enfin, ils payent. Une place de parking nous rapporte 28,5$ par heure. 13,5 balles en plus de décor. Les employés nous coûtent cher. Je vais enlever le garde. Honnêtement, le garde, j'ai l'impression qu'il sert strictement à rien pour l'instant. Il me coûte des sous. Après, 200, en vrai, c'est pas ouf. Mais bon, on va les garder. On va le garder, ça sera fait. Ça en est pas mal. Les ordures. Ce serait bien de monter niveau 4 pour avoir un agent d'entretien. Du coup, on va se faire chier. Vu qu'ils font tout ça, ou à la limite, nous se mettre au... On va voir, parce qu'on a du boulot à faire.
ou se dire tiens, telle heure, il y a tel employé. Et nous, on se garde une tranche horaire. Il peut être pas mal. Nous permettrait de nettoyer tranquillement pour les autres et de gagner 200 balles. Il va falloir qu'on ravitaille la machine à café dans pas longtemps. On va commander. Je suis un peu deg pour ça là, c'était ça que j'aurais dû faire. Mais bon, c'est pas grave en soi. Qu'est-ce que je voulais faire? Acheter mes trucs à café. Une, deux. Hot dog supplice. Ok. Hot dog supplice. Ok, on aura les machines. Ok, ok. On pourra se faire un petit coin d'écho, mais c'est pas l'objectif parce que là on a un lit, on peut même pas dormir. Oh, attendez, on a vu l'eau qui court. Hey! Get the hell out of here! On va défaire cette poubelle là. Belle là. Tac. Ça jette là-dedans. Ok. Ça commence. J'ai pas vu combien il payait. On remonte à 2000. C'est plutôt cool. Trop de garde, un peu de déviré. Regarde de pas te faire écraser. Hein. Ok, on est arrivé. Hop. On va remplir la machine à café. Important. Le café, c'est la vie. On va ramasser les déchets. Tac. On ravitaille. On va ravitailler pour l'instant parce que. Tac, tac, c'est propre. Ok. Et ben les amis, on va cesser là-dessus. Comme la dernière fois, je vais laisser un petit peu tourner pour avoir un peu d'argent, pour qu'on puisse améliorer, acheter notre deuxième parking et faire après quelques décos, etc. Ça peut être sympa. Au moins déjà installer les places de parking, parce qu'on sait que c'est 200$ la place de parking. Le pot de peinture. Donc, il faudra économiser un petit peu. Parce que je peux pas trop laisser tourner. Parce que le garde, il sert à rien. Alors, si je vais pas avoir de conflit avec les clients, il va falloir quand même que je jette un œil. Et la prochaine fois, on prendra aussi une petite partie de travail, je pense. Avec créneau horaire. Pour économiser un petit peu et travailler, pas faire que d'attendre, attendre, attendre. Même si c'est bien du boulot. Comme ça, on travaille pendant notre période horaire. Et le reste, on va pouvoir améliorer, etc., etc. Et on va se faire un dernier guignol. Avant que le garde la vue. Bon, le garde ne sert strictement à rien. Hey, get the hell out of here! Il sert strictement à rien. Et ça, c'est plutôt dommage. Et bah écoutez, 3000, on va se finir là-dessus, les amis. On va upgrade le deuxième parking. Hop. Il a quand même une belle place en plus. Je pense qu'il y a toujours la même place. Ok. C'est cher l'upgrade. 4500 pour l'asphalte. 4500, c'est pas 9000. Et ici, mais là, on va pouvoir rentabiliser pas mal. Ce que je vais voir, c'est juste s'il n'y a qu'une seule sortie au bout. Ok. Il n'y aura qu'une seule sortie. Porteur, paye. Ce qu'il veut, lui. Il veut qu'on le paye. Merde, fallait le dire avant, mec. Donc, c'était payé automatiquement, moi. Ah non, d'accord, on l'a payé, ok. Là, il n'y a personne qui prend le relais. Regarde, on l'a vu, ça a changé. Il est où mon employé, là?
4 parkings. J'arrive pas. Ok. J'ai bien mis auto, devrait avoir un mec là. Comment que j'ai fait une gueulerie dans le planning? Ah ouais, mais c'est que j'avais plus d'argent. Ok. Là, il y a l'eau qui arrive en courant, on va leur faire une dinguerie. Il va venir à moi pendant de courir après. Hey, comme ça, get the hell out of here. Par contre, j'aimerais bien mon employé de parc. Pour 241. On a 20 balles au début. Ok, bah le temps qu'il arrive, ou alors vraiment on l'a pas payé. Va falloir attendre la tranche horaire, donc on va faire son travail à sa place. Et moi je vous dis à la prochaine, on va économiser un petit peu d'argent. Je sais pas si je vais pas au moins mettre les places de parking pour vraiment que ça tourne, qu'on ait beaucoup d'argent. Pour faire après un petit peu de déco et améliorer tout ça ensemble, on va voir. On va voir tout ça, comment je vais faire. Après c'est vrai que c'est un peu... En chaîne, c'est un peu... Un peu redondant, répétitif. Hop. On prend ça. Et sur ces magnifiques gels poubelles, je vous dis à la prochaine. C'était Narco, merci à tous d'avoir regardé. Et à bientôt. Tchuss.